Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte, de vous retrouver. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 24 février. Le temps du jour, regardez la carte, des nuages sur le nord, le nord-ouest, le vent qui se renforce d'ailleurs, vous le voyez, près de la Manche, au sud du plein soleil. Et toujours de la douceur, une température extrêmement clémente cet après-midi, où on sera aux alentours des 18 degrés à Toulouse, où nous commençons cette émission et cette semaine. Oui, en compagnie de Fabrice, de sa bonne humeur et de sa verve, rien que ça. Sans oublier évidemment son échine de porc noir gascon caramélisé, une viande d'une qualité exceptionnelle pour une recette canaille à souhait. Vous allez comprendre les détails avec Wassila Guedouche. Direction Toulouse pour une recette de saison, gourmande et originale. Une recette canaille comme on dirait ici. Porc noir gascon, très très canaillou, cuit en effiloché, en poulet de porc. Tenez. Ah, ça c'est canaille. Hein. Oh bon. C'est canaillou même. C'est canaillou parce qu'en plus c'est rigolo, il y a le croquant, il y a le jeu avec le croquant, la feuille de brique. C'est la définition de la canaillerie. Pour cuisiner cette recette canaille, effilochée de porc et houmous de haricots tarbés, nous avons le roi de la canaillerie, le chef Fabrice Mignot, 34 ans. Restaurateur, auteur culinaire, cet enfant du pays est aussi connu pour ses vidéos sur Internet. Salut, c'est Fabrice. Ça y est, ça commence là. Pour la recette. Ouh. Et pourtant, adolescent, la cuisine était loin d'être une évidence pour lui. Pas très bon à l'école. Et du coup, c'est AP Cuisine. Et là, déclic. À la base, moi, ce qui me faisait marrer, c'est de se dire qu'on a un rond, un carré, on a un espace. Il faut à l'intérieur faire des choses qui vont plaire avec les yeux, qui vont plaire avec la bouche. Mais d'abord, il faut les cuire, les cuisiner. C'est un peu ce côté matérialiser une assiette qui me plaisait vraiment. L'amour du produit, les producteurs, tout ça, je l'ai découvert après. Et c'est plutôt ce qui me nourrit un peu aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef a opté pour la viande de porc noir gascon. C'est un produit purement local. Mais du coup, nous, on va le travailler un peu à l'américaine. Ça s'appelle ça le poulet de porc. Le pulled pork, porc effiloché en anglais, est une recette américaine qui implique caramélisation et cuisson longue à basse température. La viande est fondante à souhait. En termes de goût, on est plutôt pas mal. C'est super gourmand, on a vraiment envie d'y retourner. Effiloché, on le travaille en France, mais pas avec ce côté sucré, salé, la bière. Et avec un cochon de chez nous, je trouve que là, on a l'alliance parfaite. Son cochon, Fabrice est allé le chercher dans une épicerie où il n'y a que des produits de la région. Salut Nico. Oh, salut. Ça va ? Oui, super. Notre ami, ici, fait le lien entre justement la campagne et la ville. Donc pour moi, petit citadin, c'est le plan parfait parce que j'arrive, je demande à Nico les meilleurs produits et il me donne. Allez, feu, on est content. Ah, l'échine. L'échine de porc gascon. Super. Et je t'ai rajouté, ça tu me l'as pas demandé, mais tu verras, tu m'as parlé d'haricots tarbés. Il nous fait des cadeaux en plus. De la ventre. Ouais, bah, c'est pour moi, ça c'est cadeau, tu vas voir, ça va donner du goût, c'est très bien. Et c'est vrai que l'échine, c'est le bon morceau, c'est parce qu'il y a vraiment un bon morceau de gras par-dessus qui va nourrir la chair, et ça, ça peut résister à des cuissons longues. Et j'aime bien, moi, utiliser aussi les morceaux peut-être un peu moins nobles de la bête et les mettre en avant. Retour en cuisine pour le début de la recette. D'abord, on va la frotter la viande avec ce qu'on appelle les épices à barbecue. Graines de moutarde et paprika fumée. Allez, on peut la griller, maintenant c'est bien chaud. Là, ce qui est important, c'est de ne pas toucher la viande, elle doit griller. Si on la touche maintenant, on va y apporter un peu de froid, elle va rendre de l'eau. Je sais que c'est dur à la maison de ne pas y toucher, mais il faut la laisser comme ça, au moins 5 bonnes minutes pour bien que ça saisisse. On y ajoute notre garniture. Fabrice prépare ensuite une marinade à l'américaine, c'est tout le secret de la recette. Moutarde, ketchup, sirop d'érable, cassonade, vinaigre balsamique et bière brune. Le sucré, le salé, l'épicé et l'acide. En fait, pour que quand la viande va cuire, du coup, ça, on va avoir une espèce de laquage autour de la viande qui va être intéressant. Là, on va déglacer avec notre marinade. Allez, c'est parti maintenant pour les 5 heures de cuisson à 150 degrés. Pendant ce temps, le chef se rend au marché. Ça va ? Ça va, ouais, impeccable. Je viens te chercher les petits haricots tarbés. Ouais, et ils sont là. Ces haricots tarbés ont été récoltés l'été dernier. Ils se vendaient alors frais. En hiver, on les trouve en version sèche. La force du produit, c'est qu'il n'y a pas de saison. Voilà, il n'y a pas de saison. Entre le frais et le sec, ça continue toute l'année. Cette année, la sécheresse estivale a réduit les rendements. Le haricot tarbé est à 9 euros le kilo. Le prix s'en est ressenti. On a pris 1 euro au kilo. Dans le sec. Il faut les acheter maintenant justement, quand tu as peut-être un euro de plus pour les soutenir. C'est quand même des produits qui sont assez attractifs et ça fait quand même la garniture pour 8-10 personnes. C'est pas mal quand même. En cassoulet, on conseille entre 80 et 100 grammes par personne. Et ça fait un bon cassoulet quoi. Voilà, bon, parce qu'ici quand on mange le cassoulet, on mange rien d'autre avec.
Le chef a besoin de 150 g de haricots tarbés qu'il a d'abord laissé tremper plusieurs heures. Il va pouvoir revisiter le traditionnel houmous libanais qui est à la base une purée de pois chiches. Du coup là, on va faire un peu le houmous toulousain. On fait revenir les haricots tarbés avec de la ventrèche, carottes et oignons. Et on mouille le tout. J'ajoute de l'eau froide, très important de commencer à l'eau froide, et pas de sel. On va saler à la fin de la cuisson. Si on sale au début, on va avoir du mal à cuire le haricot et on va avoir du sel qui va se concentrer. Très important aussi, il faut que ça boue doucement. Donc le top, c'est vraiment la petite ébullition pendant une petite heure. Une fois cuit, il ne reste plus qu'à faire une purée. J'ai besoin comme ingrédient 2 gousses d'ail et de la crème de sésame. Et en fait, c'est très simple, le mousse, vous prenez tout ça, vous le mixez, vous gardez l'huile d'olive de côté, vous la mettez au fur et à mesure, vous avez un mousse. L'effiloché de porc et son houmous de haricots est terminé. Voici la liste des ingrédients pour 4 personnes. Le chef sert son plat avec un croquant de paprika dont lui seul a le secret. Petite astuce à la maison pour faire un croquant facilement, vous prenez une feuille de brique, vous l'enroulez bien, vous l'émincez très finement sur une plaque, un peu de paprika ou de piment fumé, huile d'olive au four à 200 degrés pendant 5 minutes. Et évidemment, on a envie de dire, quelle canaille ce Fabrice. Mmh. Et la recette aussi, donc visiblement. En revanche, c'est bien sagement qu'elle vous attend sur notre site internet. Parce qu'il a parlé vite là. Ah oui, oui. Donc, tout est écrit, rassurez-vous. Elle peut être rouge, rose et blanche ou encore crapaudine et se récolte en plein cœur de l'hiver dans les Côtes d'Armor. C'est la betterave bien sûr, légèrement sucrée. Elle est riche en vitamines et en fibres et se déguste aussi bien chaude que froide, en soupe ou encore en verrine. À vous de choisir grâce à Océane de Maison. Le petit goût sucré de la betterave apporte ce côté un peu réconfortant, un peu en hiver. Change aussi de tous ces légumes qui sont navets, rutabaga, des légumes d'hiver plus classiques. On a un petit côté plus gourmand. On la boude un peu ou on l'adore. Une chose est sûre, elle ne laisse personne insensible. Légumes que l'on associe souvent à de mauvais souvenirs à la cantine, la betterave est pourtant une star incontestée de nos assiettes. Surtout cultivée dans le centre de la France, on en trouve aussi en Bretagne. Bienvenue à Trévoux, Tréguignec, dans les Côtes d'Armor. Guillaume le maraîcher, Aurélie son épouse et Camille la nutritionniste vont vous faire craquer pour ce légume dont c'est la pleine saison. C'est sucré, c'est pas mal le matin aussi. Véritable trésor nutritionnel, sa belle robe colore nos assiettes d'hiver. De quoi nous faire rougir de plaisir. C'est la betterave de nos souvenirs d'enfance, de nos cantines. Le mot betterave, c'est un condensé de blette et rave. Ce sont des blettes raves, donc des blettes avec une racine plus grosse que les autres, quoi. Comme les céleris raves, comme le chou rave. Chaque matin, c'est le même rituel. Guillaume récolte ses betteraves sous bonne escorte avec Calic, son berger australien. Ici, il cultive 3 variétés, la betterave rouge, la Chioggia et la crapaudine. Semés au printemps, les 20 degrés de moyenne de l'été breton leur ont permis de bien s'épanouir. Un climat océanique qui leur va comme un gant. Ah bah alors là, le climat, on est gâtés parce qu'on a... En tout cas, en hiver, très très peu de gel. Cette année, on n'a pas eu une seule journée en dessous des 0 degrés. Donc la betterave qui n'aime pas trop le froid, elle se porte bien. J'ai pas eu besoin de les couvrir pour les protéger du gel. Donc ça, c'est du fait de la proximité de la mer qui est juste à côté. La betterave rouge fait partie des légumes les plus répandus en France. On en récolte plus de 35 000 tonnes par an. 90% d'entre elles sont vendues déjà cuites en sachets sous vide. Parmi ses cousines, Guillaume craque sur la betterave Chioggia, au cœur rose et blanc. Donc la betterave Chioggia, comparée à la betterave rouge classique, on a plus tendance à la consommer crue. C'est un petit goût amer, mais le sucre compense bien le goût amer. Elle a un nom plutôt italien, la betterave Chioggia. Alors je crois que c'est une région d'Italie, une zone d'Italie, parce que c'est pas le seul légume qui a cette appellation Chioggia. En effet, c'est la petite ville de Chioggia, à une heure au sud de Venise, qui donne son nom à cette fameuse betterave très appréciée des grands chefs. Alors la Chioggia, c'est un peu comme la betterave rouge. Tant qu'elle ne monte pas à graines, on peut récolter, donc jusqu'au printemps globalement, quoi. Et ces petits trésors, Guillaume les adore. Breton pur beurre, 3e génération de maraîcher, il a enseigné pendant 10 ans en lycée agricole.
mais il y a 7 ans, il n'a pas hésité une seconde à l'idée de reprendre l'exploitation familiale. J'ai craqué sur la betterave, je l'ai découvert au fil de mes rencontres dans l'enseignement agricole. Et ça m'a donné vraiment le coup de cœur, cette production, quoi. On est pas mal, là. Il y a pire comme cadre. Ce sont les terres de mon enfance, c'est la ferme de mon enfance. Et mes racines, elles sont là, quoi. Comme les betteraves. Comme celles des betteraves. Bon, on va récolter la crapaudine maintenant. Sur les étals de nos primeurs, on trouve également la betterave crapaudine. Variété plus ancienne, elle a un goût plus prononcé. C'est plus rustique, ça tient son nom de l'aspect de sa peau qui ressemble à celle d'un crapaud, tout simplement. Elle est excellente. À peine sorties de terre, les betteraves sont triées, puis rincées. Les plus biscornues d'entre elles feront le bonheur des animaux de la ferme. Alors pour bien les choisir, c'est surtout la taille qui compte. L'idéal, c'est de la choisir avec ce type de calibre, la taille d'une boule de pétanque. Et sous sa belle robe, ce légume racine est une vraie mine d'or pour la santé. Quelles que soient les variétés de betteraves, elles ont toutes les mêmes propriétés. Elle est riche en vitamine C, donc antioxydante, riche en fibres et en minéraux. La betterave, on a tout intérêt à en manger puisqu'elle apporte peu de calories aussi. C'est 50 calories pour 100 grammes. Le jus de betterave, c'est même le petit secret des sportifs pour être plus performants avant l'effort. Pour Camille, nutritionniste, c'est un légume qui n'a pas fini de nous surprendre. J'ai même aussi testé des desserts avec de la betterave rouge, donc comme les gâteaux au chocolat. Et ça permet du coup de diminuer le sucre et aussi la matière grasse, le beurre. Personne n'a trouvé qu'il y avait de la betterave dans le gâteau. En cuisine avec Aurélie aujourd'hui, pas de gâteau au chocolat, mais des verrines. Elle coupe en petits morceaux de la betterave rouge, préalablement cuite. Ma maman déteste les betteraves, donc je n'en ai jamais mangé petite. Mais j'ai découvert la betterave grâce à mon mari et j'en fais manger à mes enfants, à mes filles qui adorent ça. L'inconvénient de la betterave, c'est que ça tache, mais ça part très bien en se lavant les mains. Juste attention aux vêtements. C'est d'ailleurs grâce à ces pigments qu'elle est utilisée comme colorant dans l'industrie. Cela n'arrête pas pour autant Aurélie qui ajoute ensuite des échalotes, de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Puis elle mélange du thon et du fromage frais pour recouvrir la verrine. Deux petits graissins au sésame. Et voilà, terminé. Elles sont pas belles, mes verrines ? Place à la Chioggia. Aurélie l'adore crue. Elle l'épluche et la râpe avec un peu de radis noir et quelques feuilles de mâche. Et on assaisonne un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de citron. Et pour finaliser, des pignons de pin torréfiés, juste passés à la poêle à sec, pour apporter un peu de croquant. Enfin, dernière astuce avec la betterave cuite, une magnifique soupe accompagnée d'un peu de crème fraîche au persil. Alors rouge, Chioggia ou encore crapaudine, faites votre choix, mais évidemment n'oubliez pas de les acheter au bon endroit. C'est sûr qu'en Bretagne, on a les meilleures betteraves de France. Ouais. Et c'est très objectif, bien sûr. Bien sûr, comme toujours avec les Bretons. Direction maintenant la belle ville de Saint-Étienne, où l'industrie du ruban est une véritable institution, une fierté. Un savoir-faire historique, qui fait d'ailleurs encore vivre près de 4000 personnes dans la région stéphanoise, où l'humidité du climat est l'allié des passementiers. Le ruban sous toutes ses coutures, c'est tout de suite dans Météo à la carte. On la connaît surtout pour son équipe de foot, ou encore pour son passé minier. Mais la ville de Saint-Étienne a longtemps été réputée pour son industrie rubanière. Julien Faure est à la tête d'une entreprise plus que centenaire, dans sa famille depuis 5 générations. Aujourd'hui, il est l'un des derniers fabricants de rubans stéphanois. Alors ce qu'on appelle un ruban, c'est un tissu étroit, par définition, avec une lisière finie. Ce que j'appelle la lisière, c'est le bord du ruban. Sur un ruban, le bord est très important. Saint-Étienne s'est spécialisé dans le ruban parce que, à la Renaissance, François Ier, qui avait de grandes relations avec l'Italie, a importé la soie à Lyon. Les Lyonnais ont fait les tissus. Tout ce qui était un peu moins noble a été attribué à Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne, depuis la Renaissance, a été un centre très important de production de ruban. On peut même dire qu'au 19e siècle, c'était la capitale mondiale du ruban. Pour confectionner leurs rubans, les passementiers stéphanois voient arriver dès 1801 dans leurs ateliers les métiers à tisser jacquard.
Grâce à un système de codage sur carton, les motifs peuvent être reproduits à l'infini. Jacquard, c'est un ingénieur donc, lyonnais qui donc, a déposé un brevet qui a justement permis de mettre en place la mécanique qui porte son nom avec des cartons perforés. Lorsqu'on a un trou, donc les fils vont être levés. Lorsqu'il n'y a pas de trou, le fil ne bouge pas. Sur le principe, c'est un petit peu l'ancêtre de l'informatique avec le système binaire donc, qu'on va retrouver effectivement aujourd'hui dans les ordinateurs qu'on utilise au quotidien. Dans l'entreprise de Julien, les métiers à tisser ont traversé les âges. Des machines incroyables. Ces vieilles dames, faites de bois et de métal, s'agitent encore près de 20 heures par jour. Les articulations sont parfois un peu rouillées. La colonne vertébrale tremble, les genoux claquent, mais l'ensemble tient bon. Là, on est face à un vieux métier à tisser qui date vraisemblablement du milieu du 19e. Ces vieux métiers ont vraiment des bruits caractéristiques qui berçaient les enfants des passementiers. Il y a une certaine nostalgie autour de ça. Il y a même un nom, on appelle ça des bistons claques. C'est un bruit répété qui se termine par un claque. Vous avez une partie mécanique, une partie menuiserie, bois. C'était vraiment des métiers extraordinaires. Et comme à l'origine, le carton jacquard, là-haut. Aujourd'hui, les rubans viennent décorer toutes sortes de vêtements, des chapeaux et des chaussures. Les clients de Julien sont des grandes marques de luxe. Aucune erreur n'est permise, chaque détail compte. Dans le tissage, il y a un paramètre très important. Il faut que le fil soit humidifié. Si dans l'air, il n'y a pas assez d'humidité, on va avoir un fil qui va être cassant, qui va être nerveux, qui va apporter de l'électricité statique, particulièrement quand on utilise du coton ou de la soie, des matières naturelles. Et donc, il faut au moins 60% d'humidité. Le matin, des fois, il fait frais. L'après-midi, il fait plus chaud. Et ben, on sent la différence. La soie n'aime pas forcément. Donc, oui, on est obligé de faire attention. Nathalie travaille ici depuis 6 ans. Elle est tordeuse. Elle réapprovisionne les métiers à tisser en matières premières. Pour cela, elle doit relier les anciennes bobines aux nouvelles, fil par fil, sans faire de nœud. Je vais pincer, couper et tordre. Donc le fait qu'il y ait une torsion dans un sens et après on le retord dans l'autre sens, ça permet d'accrocher le fil. Et ça tient aussi bien qu'un nœud. Et ça passe mieux dans les cavaliers, dans les lisses et dans le peigne. C'est un certain savoir-faire et qui se perd malheureusement. On trouve de moins en moins de gens qualifiés. Donc c'est vrai que je suis fière de mon métier, je suis fière de l'exercer. Pour faire ça, il faut être quand même passionné. Il faut être méticuleux, minutieux. Rester calme dans les situations un peu difficiles, des fois. Quand Julien a repris l'entreprise, le ruban stéphanois n'était presque plus qu'un lointain souvenir. Mais à force de courage et d'abnégation, ce savoir-faire retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. On peut dire que toutes les années 90 et 2000, les clients, quand ils nous voyaient, nous disaient « Vous fabriquez où ?»« En France ?»« Ah bon, mais vous ne fabriquez pas en Chine ?»« Ah ben, vous êtes forcément trop cher, donc la porte, elle est là. » Et puis depuis 5 ans à peu près, on est maintenant dans le vent. Et le vent, c'est le Made in France, le retour aux valeurs locales. Donc oui, il y a une fierté, bien sûr, d'avoir résisté pendant toutes ces années. Et si on n'avait pas été une entreprise familiale, clairement, on aurait disparu. Et on enchaîne dans la Drôme, où plus de 12 000 mètres carrés permettent à 350 spécimens de crocodiles de vivre comme dans leur milieu naturel. Oui, crocodiles du Nil, alligators, varans et serpents cohabitent sous le climat de la Drôme provençale. Une belle idée de visite pour les vacances. Météo La Carte vous plonge dans une aventure qui ne manque pas de mordant. Rares sont les courageux qui oseraient troubler le sommeil de ces cuirassés à quatre pattes. À pas feutrés, sans se soucier du danger, ce jeune pigeon tente sa chance à la recherche d'une brindille pour fabriquer son nid. Heureusement pour lui, ces crocodiles du Nil ne sont pas pressés de passer à table. Ça mange pas tant que ça, un crocodile, ça mange 1 ou 2 kilos par animal et par semaine. Donc les crocodiles, chez nous, ils mangent principalement du poulet. Après, de temps en temps, comme on le fait aujourd'hui, on va leur mettre des petits compléments. Alors aujourd'hui, c'est de l'os de seiche. L'os de seiche est composé à 90% de calcium. En ce moment, les femelles commencent à fabriquer les œufs dans leur ventre. Elles ont besoin aussi d'avoir un bon apport en calcium pour pondre des œufs solides. Allez bien. Allez gros. Oui.
Ça, c'est pour montrer que c'est bien lui le chef dans le bassin. Léa et Louis travaillent dans un lieu unique en Europe, la ferme aux crocodiles de Pierrelatte, dans la Drôme, à 20 minutes au sud de Montélimar. Ils n'ont pas de dents spécialisées comme nous. Nous, on a des molaires pour mâcher. Eux, ils n'ont que des canines. Donc, le poulet, ils vont l'avaler tout rond. Et après, c'est les sucs gastriques très acides qui vont dissoudre les os. Fondé en 1994 par des passionnés, le site a pour but de conserver et de protéger des espèces méconnues. Plusieurs centaines de crocodiles et d'alligators se partagent 8000 mètres carrés de serre chauffée été comme hiver. Mais savez-vous comment les différencier ? En fait, la différence, ça va être surtout situé au niveau de la mâchoire. Les crocodiles du Nil, qui sont juste à côté, vont avoir un museau assez pointu, hein, en forme de V, alors qu'un alligator va avoir plutôt une tête un peu plus arrondie, en forme de U. Le crocodile du Nil, c'est une espèce qui peut vivre entre 80 et 100 ans, donc ça a une bonne espérance de vie. Pour un mâle, ça peut atteindre les 6 mètres en fin de vie. D'ailleurs, c'est assez propre aux reptiles, que ce soit serpent, tortue. Ce sont des animaux qui vont grandir tout au long de leur vie. Les crocodiles du Nil font partie des plus gros crocodiliens. Après avoir avalé d'une traite leur poulet cru, ils s'immobilisent pendant de longues heures. Ils ne sont pas en train de dormir, hein, mais ils sont en train de réguler leur température. Et c'est pour ça qu'on peut observer certains crocodiles qui ont la gueule ouverte, puisque comme le chien, sa peau est recouverte de poils, le crocodile, sa peau est recouverte d'écailles, il ne transpire pas, donc il va ouvrir la gueule pour se rafraîchir. C'est pour cette raison aussi que ce sont des animaux qui ne mangent pas beaucoup de nourriture. Contrairement à nous, nous, on va se chauffer grâce à la nourriture. Hein. C'est la nourriture qui va faire qu'on va produire de l'énergie, de la chaleur, pour se maintenir autour des 37 degrés. Eux, justement, ils se chauffent avec la température extérieure. Donc on dit que ce sont des animaux qui sont ectothermes, contrairement à nous, où nous sommes endothermes. Donc eux, c'est pour ça que finalement, ils ont besoin de beaucoup moins de nourriture que nous. Ce sont des animaux qui, dans la nature, peuvent arrêter de manger pendant 6 mois, jusqu'à 1 an, en fait. Hein. Sous ces immenses verrières, de nombreux animaux cohabitent avec les crocodiles. Elvis, c'est un calao à joues argent. C'est la star du parc. C'est un oiseau qui vient d'Afrique. Et il a une particularité, c'est qu'au-dessus de son bec, il a une corne. C'est une corne qui est constituée de kératine, comme nos ongles et nos cheveux. Alors nous, on l'a appelé Elvis, pour appeler la banane du chanteur. Love me tender, love me sweet. Cette corne va servir de caisse de résonance. Ça va faire que quand il chante, on va l'entendre plus fort, en fait. Au fil de la balade, les curieux observent les oiseaux, découvrent les tortues, surveillent les piranhas ou admirent les iguanes et leurs écailles bariolées. Pour nos deux passionnés, impossible de se lasser de cette diversité. Le grand public connaît peu ces animaux et moi c'était mon cas quand je suis arrivé ici et j'ai appris sur le tas avec mes collègues, même si ça reste des animaux dangereux, quand on apprend à les connaître, on commence même à beaucoup les apprécier finalement. C'est vraiment un univers particulier, mais une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est pour la vie. On peut avoir une relation avec des animaux comme celui-ci. Celui-ci, par exemple, va apprécier de temps en temps se faire gratter, hein, parce que dans la nature, ils ont des petits insectes, même des petits oiseaux qui viennent becquer tous les petits parasites qu'ils pourraient avoir. Si Louis approche sans crainte des iguanes, c'est une autre paire de manches avec les serpents. Donc ça, c'est un python réticulé. C'est une femelle et le python réticulé, c'est la plus grande espèce du monde. Ça peut atteindre jusqu'à 9 mètres de longueur. Cette espèce va vivre en Asie du Sud-Est, donc Malaisie, Indonésie, etc. Et dans un milieu assez aquatique, un peu forêt tropicale, assez humide. Chaque animal prend son repas dans une cage pour ensuite pouvoir le digérer pendant plusieurs jours. Cette femelle va maintenant être relâchée dans son enclos, une opération toujours délicate. Ils ont une vitesse d'attaque qui est très impressionnante. En un seul battement de paupières, ce sont des animaux qui vont être capables d'attaquer jusqu'à 2 fois. Donc c'est très rapide. Un grand serpent comme celui-ci, ça peut tuer un homme. Ce sont des serpents qui sont constricteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de venin. Par contre, quand ils vont chasser pour attraper leur proie, ils vont la mordre. Ils ont une bonne mâchoire, très puissante. Et ensuite, ils vont s'entourer autour de leur proie pour pouvoir la tuer, en fait. Du python réticulé au gavial du Gange, les pensionnaires de cet incroyable parc n'ont pas fini de vous faire frissonner. Il est 13h23. Avec le réchauffement climatique, le recul du trait de côte provoqué par la montée du niveau de la mer est inévitable, malheureusement. 20% de notre façade maritime est concernée. Un peu partout, des initiatives sont mises en place pour lutter contre cette érosion. Voici les explications avec Paul-Antoine Ballon. Grande marée, vent violent. Chaque hiver, les éléments se déchaînent et balayent nos côtes. On sent tout petit, on apprend à relativiser plein de choses.
Tout petit, face à la puissance de l'océan qui grignote les dunes et les plages à la faveur des tempêtes hivernales. 20% de nos côtes sont menacées et sur certains fronts de mer, l'érosion a déjà bien entamé son ouvrage, comme ici à Oy-Plage, dans le Pas-de-Calais. Vous voyez là, ces pieux, ce sont des casiers avant qui ont été installés en 2010. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient été installés au pied de dunes. Donc on voit aujourd'hui l'érosion qu'il y a pu avoir entre 2010 et aujourd'hui, hein, puisque vous voyez l'écartement entre les premiers piquets et le pied de dune. Ça nous inquiète fortement, d'autant plus que derrière, il y a un lotissement de 153 maisons à protéger, hein, les biens et les habitants. Cette dune protège ses habitations conçues dans les années 70. La mairie interdit désormais toute nouvelle construction et un plan de prévention des risques a été mis en place. On a quand même quelques petites inquiétudes. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'inondation. Voilà. Maintenant, on peut habiter près d'une rivière, on peut habiter près d'un étang, on peut habiter près d'une montagne et puis voilà, avoir une grosse catastrophe. Selon l'État, jusqu'à 50 000 habitations pourraient être menacées par le recul des côtes. Pour contrer ce phénomène, certaines communes sont à pied d'œuvre, comme ici dans la Manche. Brise-lames, enrochements et même géotextile constituent une digue qui s'effrite à chaque tempête. Suivant l'arrivée du vent et de la tempête, ça part partout. Donc à chaque fois que vous avez une dégradation quelque part sur une digue, il faut la boucher au plus vite possible. Donc on est obligé de restructurer la digue à un certain moment. Coût de l'opération, 35 000 euros. Mais pour certains, ces travaux sont vains face à la toute-puissance des éléments. À chaque marée, on voit des caterpillars sur la plage qui amènent des rochers, qui amènent du sable qu'on a été chercher ailleurs. La mer repousse et c'est un travail de titan qui ne sert à rien, qui coûte une fortune aux habitants. Les travaux qui ont été faits sur l'ensemble de la côte, ils sont pour l'instant au moins à 1,5 million, 2 millions d'euros sur 2 ans ou 3 ans. Malgré ces divergences, tous s'accordent sur le fait que ces structures sont des mesures temporaires pour affronter l'érosion et la montée des eaux. Et avant le journal du temps, on part prendre le soleil en Corse, oui, pour une recette simplissime et totalement de saison. Des pâtes aux oursins, bah oui, ce crustacé se pêche de décembre à avril. Il est donc temps d'en profiter pour vous régaler. Inès Momont ne s'est pas fait prier. Yes. On est bien là, non? Regarde, on est dans un cadre naturel, exceptionnel aussi, il faut le dire. On entend les oiseaux. On a du bon vin, on va se lancer des pâtes, donc des pâtes aux oursins, c'est la saison. Aujourd'hui, Météo à la carte vous emmène en voyage. Destination l'étang d'Urbino, une lagune maritime située sur la côte est de la Corse. Jean-Antoine, passionné de cuisine, dresse pour nous une table avec vue, s'il vous plaît. Cet amoureux de la bonne chair n'a ni fourneau, ni restaurant. Alors moi comme ça, à moi, donc voilà, c'est de faire des pique-niques d'exception. Dans des milieux sauvages, naturels, dans des spots comme celui-ci. Entre amis, ça a commencé comme ça. Et puis maintenant, j'en ai fait une activité aussi commerciale. Et on peut dresser une table comme ça, que ce soit ici ou ailleurs. Tout dépend de l'alchimie des lieux. Enfin, moi, je le fais tout le long de l'année, quoi, hein, du moment que j'ai un créneau au niveau de la météo, n'est-ce pas? C'est plus difficile sous la pluie, mais bon, quoi qu'on peut trouver aussi une bergerie en pleine montagne. Ça, c'est aussi faisable ou quoi. Donc, rien d'insurmontable. Cet enfant du pays ne se dit pas chef, mais plutôt épicurien, spécialiste de la gastronomie et des produits stars de l'île de beauté. Pour moi, la Corse, c'est les tripes, c'est mes racines. Je suis né juste là, à flanc de montagne. Là. Donc, je suis originaire de Louvain-la-Neuve et je monte souvent à Paris pour mon activité professionnelle. Quand on monte à Paris, je veux dire, il y a cette dynamisme de la ville qui fait que, et quand on est jeune, on a envie de profiter de ça. Mais plus ça va avec l'âge, plus j'ai envie de retourner à des choses plus simples, voilà, avec des amis, des rencontres, des producteurs, qui font qu'on partage la même passion et puis c'est avant tout le partage, avant tout. Et justement, pour ces oursins, notre cuisinier du jour se rend chez son fidèle ami Pierre-Antoine, direction le petit port de Solenzara. Oh, pêcheur. Ah, pêcheur était bonne. Oh, allez, c'est pas beau ça. On va voir ce qu'on peut faire. Tiens, goûtez-les, comme ça on va prendre la recette. Un bon retour là. Préiodé, c'est royal. En Méditerranée, les oursins, Izzini en langue corse, sont les rois de la pêche en hiver. Celle-ci s'étend du 15 décembre au 15 avril, avec une quantité limitée à 500 douzaines par semaine et par pêcheur. La taille réglementaire est de 5 cm sans les épines. En plongée, on fait vraiment du tri, on sélectionne, on ne pille pas toutes les zones à oursins.
Et après, s'ils sont beaux, ben, on attaque à ramasser. Et bien sûr, c'est la météo qui détermine la qualité des oursins. La météo nous dit si on peut travailler ou pas. Pour qu'un oursin soit plein, on a déjà du beau temps pour la période des fêtes. C'était très compliqué de faire les oursins parce qu'on a eu que du gros mauvais temps avec de la grosse mer, du vent. Et ça fait que c'était très 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 compliqué de trouver des zones où on pouvait ramasser les oursins parce qu'ils étaient quasiment tous vides. Et là, ils commencent à peine à être vraiment beaux. Pierre-Antoine chasse la châtaigne des mers depuis 2012. Une tâche difficile puisque la pêche sous-marine interdit l'usage des bouteilles à oxygène. Je passais 5 heures dans l'eau hier, ramasser 250 douzaines, et c'est ce qui me motive à travailler parce que voilà, c'est mon avenir, l'avenir de mon enfant et de toute ma famille. En Corse, la saison des oursins est avant tout une occasion de se retrouver en famille ou entre amis lors des emblématiques oursinades. C'est un mini-symbole, hein, au sens où ça met un peu de soleil dans le cœur. Voilà. Bon, mais merci. Hein. Allez, à tout à l'heure, ça marche. Ciao. Allez, c'est parti pour la recette. Allez, au boulot. Alors, première étape, on va lancer les pâtes en cuisson. Voilà, la pasta, c'est al dente. Hein. Bon, vous êtes bien d'accord. Hein. Allez, on va laisser cuire tout doucement. Et maintenant, on a 9 minutes pour ouvrir nos oursins. Let's go. Et pour ouvrir vos oursins, munissez-vous d'une pince à oursins ou à défaut d'un couteau, mais surtout de beaucoup de patience et de prudence. Bon, maintenant, une fois qu'on les a ouverts et qu'on les a un petit peu nettoyés, on va reprendre ce qu'on appelle le corail, l'appareil génital, donc la partie orange, voilà. Et en fait, on va la filtrer. Et je vais garder l'eau qu'on va remettre après, une fois dans les pâtes. Allez, on va travailler ça maintenant. Retournons à nos spaghettis, mais attention, cuisiner en pleine nature peut s'avérer parfois un peu périlleux, tout est question d'équilibre. Non mais écoute, c'est l'art de la débrouille aussi, hein. C'est aussi ça la cuisine, hein, je veux dire. Pour sa garniture, Jean-Antoine rajoute des tomates pelées et un peu d'huile d'olive. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'eau de cuisson donc, de mes pâtes riches en gluten, et je finis ma cuisson, donc je termine ma cuisson des pâtes voilà, avec l'eau de cuisson. Puis il incorpore son jus d'oursin filtré. La moitié de nos oursins qu'on a ouverts, on va les mettre dans les pâtes. Et l'autre moitié, on se la garde pour donc la déco, notre petite présentation. Et voilà, et on lit, et on finit. Là, on fait le mantecard, c'est-à-dire qu'on lit la sauce. Voilà, donc des pâtes. C'est du sport. On donne un petit coup de très important donc de citron. Enfin, il agrémente sa sauce d'ail marinée, d'herbes fraîches, et il passe au dressage. Pronto. Il était temps, parce que j'ai faim, moi. Bon. Alors, si vous aussi, vous rêvez de déguster les pâtes aux oursins de Jean-Antoine, notez bien la liste des ingrédients. Il ne vous restera plus alors qu'à trouver, vous aussi, votre petit coin de paradis. Et bon appétit. Impeccable. Énorme. C'est du haut niveau. Ça vous aide. Hein, on est pas bien là. Voilà. Le top. Bah, les pâtes, le cadre, on veut tout. Et bien Laurent veut même celles qui sont tombées par terre. Allez, sur la pelouse. Il est donc 13h32. On découvre tout de suite les toutes dernières prévisions du mois de février avant d'enchaîner sur les premières de mars. Bref, 9 jours de prévision, c'est tout de suite dans notre journal du temps. On mange tout ce qui est par terre, moi, c'est ça. Non, c'est pas vrai, mais enfin, ce serait gâché. Allez, on commence tout de suite avec votre première carte, la première carte interactive de la semaine. Mais oui, puisque nous sommes lundi. On a un ciel qui est bien chargé sur les régions du quart nord-ouest, voilà. Avec une tonalité nettement plus sombre, bleu-bleu, lui, qui est toujours au rendez-vous sur les régions de la moitié sud, la moitié est également, avec, vous le voyez, de très belles éclaircies au programme. C'est vrai qu'on a un renforcement des vents sur les côtes de la Manche, une semaine qui s'annonce d'ailleurs assez venteuse, agitée. Le mois de mars approche, les giboulées aussi. Voici une première photo, quelle direction? Bonne nouvelle. On part dans la Haute-Vienne. Regardez comme c'est joli cette photo de Saint-Sylvestre, qu'on signait Joseph. Oui, alors on a les brumes matinales avec pas mal d'humidité en début de journée. Photo prise en fin de matinée, vous le voyez avec les éclaircies qui sont au rendez-vous. Mais c'est vrai qu'on a la perturbation qui approche tout doucement. Le soleil devrait se maintenir encore cet après-midi avec en tout cas de belles éclaircies. Les températures, vous le voyez, 10 à 11 degrés, très légère baisse, mais ça reste extrêmement clément pour la saison. Allez, retour à la carte. Deuxième destination, aujourd'hui, ce sera Colmar. Colmar sous le soleil. On est donc dans le Haut-Rhin avec cette photo de Marie-Josée.
l'Alsace, les bourgeonnements, les fleurs même qui sont déjà là. Température nous sommes même douce. Pas à la fin février avec des valeurs extrêmement douces. Les conditions pour cet après-midi sur la plaine d'Alsace, vous le voyez, avec des valeurs extrêmement élevées pour la saison, on est très au-dessus. On est 6 à 8 degrés au-dessus des normales avec une maximale de 16 degrés. Et puis les éclaircies qui resteront très belles pour cet après-midi en attendant l'arrivée de la perturbation un petit peu plus tard dans la semaine. Bien, profitez-en. On passe au film du jour. Bonjour Thierry, quel temps fait-il à la Ricamarie, c'est dans la Loire. Bonjour Marine, bonjour Laurent. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui en bras de chemise que je vous accueille à la Ricamarie avec un très beau ciel bleu, des températures élevées, 21 pour l'instant. Je crois que vous allez nous annoncer de mauvaises nouvelles ou plutôt de bonnes nouvelles parce que là, le temps n'est pas très très normal. Pour la suite de la semaine, j'attends des prévisions de Laurent avec impatience puisqu'on nous dit que mercredi, nous aurons de la neige. À voir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Merci Thierry. Eh oui, un grand ciel bleu. Hein. Ouais, la tour Eiffel de Saint-Étienne. Oui, c'est la petite tour Eiffel. Je sais pas. Enfin, en tout cas, Thierry apparemment est informé. Donc de la neige pour ces jours-ci. Oui, la neige qui va tomber à basse altitude. Alors c'est vrai qu'il a fait extrêmement doux ces derniers jours. Résultat, ça fond, ça fond. Les vacances se poursuivent hein, pour beaucoup encore. Résultat, bien, elle est espérée cette neige. Elle va tomber au cours de cette semaine à assez basse altitude, comme le disait Thierry il y a un instant. On va regarder l'animation satellite. Regardez un petit peu ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Avec le flux perturbé d'ouest, vous le voyez. Alors ça couvre les régions du quart nord-ouest, mais c'est vrai qu'au sud, les conditions sont plutôt belles. Mais le front, lui, vous le voyez, s'étire hein, carrément de la Scandinavie jusqu'au proche Atlantique. Et ces nuages vont entrer sur le pays. À l'avant, ce sont les brumes, les brouillards qu'on a aperçus sur la Haute-Vienne, qu'on arrive à distinguer. Puis du plein soleil tout au sud, quelques brumes le long de la Garonne pour cette matinée. Voici la situation pour cet après-midi. Le soleil, lui, sera de sortie, vous le voyez, sans problème au sud de la Garonne, en allant jusque vers l'Auvergne, l'ensemble de la région Rhône-Alpes, la Méditerranée. Situation calme, tout juste un peu de vent sur la Corse et une petite brume côtière sur la côte orientale. Vent jusqu'à 60 km à l'heure. Quelques brouillards également, en tout cas quelques brumes tenaces durant cette journée, vous le voyez, pour le nord de l'Aquitaine. Et puis la perturbation, secteur chaud dans un premier temps, avec un ciel qui se couvre progressivement, localement quelques bruines sur le relief des Ardennes ou encore la Bretagne, et puis des pluies faibles mais un peu plus régulières près des côtes de la Manche, et le vent qui se renforce, vous le voyez, avec des pointes jusqu'à 100 km à l'heure sur le Boulonnais pour cet après-midi. Voici les températures de ce lundi après-midi, avec des valeurs stationnaires pour la moitié nord, prévoyez généralement entre 12 et 17 degrés pour Mulhouse, 15 degrés pour la capitale, 13 sur la Loire-Atlantique, et c'est au sud que les températures seront les plus élevées, vous voyez, 24. Poche de douceur, le soleil, l'ensoleillement aidant, résultat, on atteindra les 24 degrés. Ce sera le cas à Perpignan ou encore à Nîmes, à Montpellier. Petit 12 degrés pour la région de La Rochelle et 20 degrés tout de même au pied des Pyrénées. Voici maintenant la situation pour demain matin avec au réveil la perturbation qui va entrer. Active cette perturbation. Des pluies qui seront localement soutenues dans le passage du front sur cet axe du nord-est jusqu'au golfe de Gascogne. À l'arrière, un ciel de traîne chargé avec des ondées qui vont se produire. Le vent va souffler sur le nord de la Bretagne, 70 km à l'heure. Vent dans le passage de la perturbation. Voile nuageux avant. Le soleil résistera encore des Alpes centrales jusqu'au golfe du Lion. Puis l'évolution dans le courant de l'après-midi. La perturbation sera encore bel et bien là. Elle s'étirera, vous le voyez, en allant du sud des Landes jusqu'au flanc est du pays. La limite pluie-neige s'établira entre 300 et 500 mètres. Des Vosges jusqu'au Jura, 500 mètres sur le massif des Alpes, des chutes de neige également en perspective sur le massif central ou encore la partie ouest des Pyrénées. Le soleil voilé en Méditerranée mais tout de même présent, plein soleil sur la Corse, puis à l'arrière une traîne très active sur le nord-ouest avec des averses de grêle, de grésil à craindre et puis des orages qui pourraient parfois être assez forts. Voici les températures pour demain matin avec au réveil des valeurs très contrastées, en baisse en général pour la moitié nord, mais c'est surtout sur l'est où il fera un peu plus frais, 1 degré à Grenoble, mais jusqu'à 10 degrés en allant de la Charente-Maritime jusqu'à la Gironde et puis dans le courant de l'après-midi de demain au programme des températures qui fléchiront dans l'ensemble. Prévoyez entre 8 et 16 degrés sur la plupart des régions, entre 9 et 12 au nord et puis au sud jusqu'à 18 degrés. Fini les 20-24 degrés. Mais encore 18 degrés attendus à Toulon, Nice ou encore du côté de Perpignan. Voici la suite de la semaine. Journée de mercredi au programme des averses très nombreuses, beaucoup de vent à signaler. Limite pluie-neige basse, hein, généralement 300 à 500 mètres sur les reliefs de l'Est. Des chutes de neige intermittentes sous forme de giboulées, puis le risque de vent qui sera très fort, jusqu'à 110 km à l'heure. Le risque d'avalanche associé avec la couche neigeuse supplémentaire. Vent fort sur le Cap Corse, vous le voyez, 120 km à l'heure. Météo partagé sur l'île de Beauté, ensoleillé autour de la Méditerranée avec une tramontane puissante. Et puis à l'arrière, le ciel de traîne, probabilité
de chutes de neige jusqu'en plaine, vous le voyez sur les régions du quart nord-est, surtout dans la nuit de mercredi à jeudi. Les températures de mercredi, les voici en attendant. Au petit matin, en faible gelée pour le Cantal, 1 degré au nord de la Seine, 3 pour la capitale, jusqu'à 9 degrés pour les Pyrénées-Atlantiques ou bien les Alpes-Maritimes. Et puis dans le courant de l'après-midi de mercredi, les températures qui, elles, fléchiront. Au meilleur de la journée, pas plus de 6 degrés, vous le voyez, pour Nancy, Metz, 8 pour la capitale, 9 degrés à Brest et puis au sud jusqu'à 16 degrés dans le coin en bas à droite, Nice ainsi que Bastia. La suite de la semaine jeudi-vendredi, avec une météo, vous le voyez, très agitée. Des pluies soutenues sur le grand quart sud-ouest du pays. La neige va tomber en montagne, massif central, Pyrénées, tous les reliefs de l'est également. Les éclaircies tant plus calmes en Méditerranée, mais encore beaucoup de vent, vous le voyez, sur la Corse. Ciel de traîne avec des ondées, vous le voyez, sur le nord-ouest. Les températures remonteront très légèrement pour la journée de vendredi, 12-15 degrés. Couverture nuageuse bien chargée. Le soleil avec des éclaircies, pas très larges, mais tout de même présentes des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, au sud des Alpes. Samedi et dimanche, voici l'évolution. Journée de samedi, 13-17 degrés, une nouvelle perturbation coupera la France en deux, des ondes à l'arrière mais des éclaircies, et puis le vent à nouveau assez rapide près de la Manche, les vitesses restent encore à évaluer, on ne manquera pas de vous en faire part demain, le soleil sur la Corse pour la journée de dimanche, on retrouvera un ciel de traîne très actif, surtout sur les régions de l'Est, la neige une nouvelle fois en montagne, les plus belles éclaircies autour du bassin méditerranéen ou encore localement le long des côtes atlantiques, température 10-14 degrés. La journée de lundi, regardez l'évolution, début mars sous les giboulées, vous le voyez, giboulées de neige en montagne, de la pluie ailleurs avec une météo bien chargée, la Corse restera à l'écart. Et la tendance à 8 et 9 jours. Mardi, mercredi de la semaine prochaine, on trouvera ce régime d'ondées, sauf en Méditerranée, les températures 9-12 degrés. Météo à 9 jours pour le mercredi 4 mars, avec toujours ce temps typique du mois de mars, avec ces averses, ces giboulées qui se produiront sur l'ensemble du territoire. En attendant, nous ne sommes pas en mars, mais le 24 février, c'est un lundi. Nous allons gagner exactement 4 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons les modestes. Et vivement avril, j'ai envie de dire. On se retrouve demain en direct et en attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Très bonne journée à tous. À demain et bonne fête.